Bonjour mes amis et auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, toutes les personnes qui nous écoutent sur YouTube et Facebook. Vous êtes avec Morissette aujourd'hui et bien sûr je fais un grand coucou à ma petite famille. Jésus est mon guide. Nous sommes aujourd'hui le 9 février 2023. Et oui, nous sommes déjà en février. Eh bien, nous allons prier aujourd'hui pour que cette journée se passe merveilleusement bien. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Apolline. Joyeuse fête si c'est le vôtre aujourd'hui. Et surtout, joyeux anniversaire à toutes les personnes qui le fêtent en ce beau jour. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de paix, de joie et de son amour. Je veux te louer, ô Paraclet. Je veux te louer, ô Paraclet, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux tout quitter pour te servir, Seigneur. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux tout laisser pour te servir, Seigneur. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Viens, Saint-Esprit, viens en nos cœurs, doux. Esprit Saint, enflamme-les. Eh bien, les amis et la famille, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène et Joël dans ma séquence pour le psaume. Et Hélène, elle fait partie du groupe de Jésus, mon guide. Coucou Hélène, merci à toi, merci également à Joël. Et je vous souhaite une très bonne écoute. On va débuter par ce très beau chant. Viens, Esprit de Dieu vivant, de Corinne Lafitte. Bonne écoute! Sur nous,
Lecture de la Genèse, chapitre 2, versets 18 à 25. Yahvé Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide semblable à lui. Alors Yahvé Dieu forma du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel. Il les conduisit vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait, pour que tout animal porte le nom que l'homme allait lui donner. L'homme donna des noms à tous les animaux des champs, aux oiseaux des cieux et toutes les bêtes sauvages. Mais pour l'homme, il ne se trouva pas d'aide qui lui correspond. Yahvé Dieu fit alors tomber sur l'homme un profond sommeil pour qu'il s'endorme. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, Yahvé Dieu fit une femme et il vint la présenter à l'homme. L'homme déclara : Voici enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme, et ils ne font qu'une seule chair. Or, ils étaient nus tous les deux, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient point honte. Parole du Seigneur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu qui ne connaît pas la solitude, créer les deux sexes, non pas comme le moyen obligé de transmettre la vie, mais pour que le couple s'unisse dans l'amour, le don de soi et le bonheur partagé. Il ne se trouva pas d'aide qui lui corresponde. Le défilé des animaux aide à découvrir la valeur unique de la femme, une compagne et non pas une servante. L'homme s'endort pour que Dieu puisse opérer en lui une transmutation. Il va devenir un en deux personnes, et pour chacun d'eux, ce sera une nouvelle naissance. Elle sera appelée femme. En hébreu, les mots homme et femme débutent par la même syllabe, symbole de parenté profonde, mais les Israélites oubliaient, comme nous, cette parenté qui exclut toute domination. Voir à ce sujet Matthieu 2, 15, Luc 8, 1, Corinthiens 7, 4, 7, 10, Éphésiens 5, 3. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère. La coutume juive voulait que la femme quitte sa famille pour entrer dans le clan de son mari. On se rappelait cependant que dans les temps anciens, c'était le contraire. L'homme entrait dans le clan de la femme. De fait, l'un comme l'autre prennent le risque de se séparer du milieu familial pour fonder une nouvelle unité sociale. Et ils ne font qu'une seule chair. En hébreu, cela veut dire qu'ils sont un seul être. Cette unité du couple fait partie de sa maison. Ce ne sera pas une entente provisoire pour jouir l'un de l'autre, mais l'unité d'une famille où se réalise l'œuvre de Dieu. La famille sera donc féconde, et c'est ainsi que les deux rendront à la grande famille humaine le trésor humanité qu'ils ont reçu d'elle. Heureux
craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà, nous arrivons à la fin. J'ai été très heureuse de partager ce petit moment avec vous et j'espère que ça vous a fait plaisir et que vous êtes en forme et de bonne humeur aujourd'hui pour passer cette journée. Je vous propose, avant de nous quitter, d'écouter ce très beau chant, toujours de Corinne Lafitte, « Louez l'Éternel ». Eh bien les amis, n'hésitez pas à louer l'Éternel aujourd'hui, à pousser vos meubles et d'être dans une ambiance de joie. Dansons avec notre Dieu pour lui rendre grâce de ses bienfaits dans nos vies. Excellente journée à tous, plein de bisous et soyez bénis. À très bientôt, au revoir, bye bye.